Hey yo, wagwan la famille, j'espère que vous allez bien, c'est Aïma l'ours. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, voilà, pas de grand discours, je vous ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes que certaines fois, il n'y aurait pas toute l'équipe, il n'y aurait que moi, il y aurait peut-être d'autres membres de l'équipe. Et aujourd'hui, on a décidé de faire un épisode spécial best-of de tous les défis. Parce que vous avez aimé les défis, on en a fait quelques-uns au cours de l'année. Et on prépare d'ailleurs des choses très très lourdes par rapport aux défis l'année prochaine, mais bon... Continuez à nous suivre et dès septembre, vous saurez de quoi je parle. On va faire un petit récapitulatif rapide de toute l'équipe, histoire que vous sachiez où en est chaque personne. On va commencer avec Alisha. Alisha, il faut savoir qu'elle a sa chaîne YouTube sur laquelle elle fait ses vidéos débriefs, débriefs de clips, sur laquelle elle fait des vidéos de bien-être. Elle a aussi son programme sportif Booty for Summer qui est toujours disponible. Je vous invite à aller le télécharger, à aller l'acheter si jamais vous voulez des grosses fesses, que ce soit des meufs ou des mecs, hein, genre on sait pas, bref, il y a aussi la Mad Attitude, je vous rappelle qu'il va bientôt reprendre les Mad Reviews, donc abonnez-vous à sa chaîne YouTube. Il a aussi un programme sportif, si jamais tu vas avoir des gros bras, des gros pecs, je devrais le suivre. Plus sérieusement, je vais bientôt vous faire une vidéo sur ma chaîne YouTube où je vous explique toutes les disparitions que j'ai eues, que ce soit sur YouTube, que ce soit dans le French Plug Show, les fois où j'étais pas là, où j'disparaissais plusieurs semaines. Bon, faut savoir que j'ai une maladie grave. Faut savoir que je suis gravement malade. Gravement, c'est un grand mot, parce qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus malades que moi, mais voilà, j'ai plus ou moins une maladie grave. Et parfois, je dois aller à l'hôpital pour me soigner, je dois suivre des trucs pour me soigner. Et il va y avoir du changement dans ma vie, mais bon, je vous annonce tout ça sur ma chaîne YouTube très prochainement. D'ailleurs, je reprends ma chaîne YouTube dès lundi. Allez me follow, je sais, blablabla, Emma, tu as raconté que tu allais faire ci, tu allais faire ça, les vidéos sont prêtes. Carte sur table, les vidéos sont prêtes, je vous les balance dès lundi. Donc suivez-moi, ça va être du très 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 sale. On revient sur l'équipe, il y a aussi Doug Logan qui a Hoops on Fire, son média sur le basket, qui est très très lourd, je vous invite à aller suivre Doug Logan et Hoops on Fire. Il fait aussi des vidéos sur sa chaîne YouTube qui sont géniales, c'est sur le basket. Il y a une vidéo que j'ai regardée de lui dernièrement, les trucs les plus fous sur NBA 2K, allez regarder, c'est vraiment très enrichissant. Il y a Fodjie aussi, bon, Fodjie, là, il m'a présenté un spectacle de 30 minutes qui est vraiment hardcore. Il va vous balancer ça dès septembre. Il est sur son spectacle. Voilà, vraiment, je vous le dis, ça avance pour de vrai. C'est vraiment très, 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 très sale. Et on va peut-être avoir un petit concept avec Fodjie sur Paris, à Oda Gang Tour. On ne sait pas encore, mais on va essayer de vous préparer quelque chose de très, très sale. Fodjie aussi, sa chaîne YouTube, qui va reprendre avec de nouveaux concepts, une version 2 de Fodjie Philosophie, Fodjie Sissoko Show. Vous verrez c'est quoi, je balance le nom, j'en ai rien à foutre. Il y a Louis Aouda aussi, qui va arriver avec un nouveau projet très bientôt. Là, je vous avoue, Louis Aouda, il est rentré en studio. Et ce qui nous sort, c'est hardcore. J'étais vraiment, vraiment pas prêt. Ce qui nous sort, c'est de l'art. Bon, c'est Louis Aouda. C'est vraiment dans sa bulle. Vraiment très, très chaud. Il y a Balou. Balou, faut savoir que là, il nous prépare du très, très sale. D'ailleurs, il n'est pas là aujourd'hui. Je devais faire une émission avec lui. Mais il n'est pas là aujourd'hui parce qu'il est allé vous tourner une autre émission. Il est allé vous tourner autre chose, autre part. Ça sortira bientôt, je sais pas quand, mais ça sortira bientôt, c'est du très très lourd. Il va continuer à charbonner, on va essayer d'aller de plus en plus vers des formats plus longs, des formats sérieux, des formats, voilà. Et à moi, ben moi je vous ai déjà tout dit, ma chaîne YouTube qui va reprendre, Otibi qui va évoluer, passer à autre chose, mais ça restera Otibi. D'ailleurs Otibi, si jamais vous voulez votre clip, votre visuel, votre logo, directedbyotibi@gmail.com ou sur Instagram directedbyotibi. Donc voilà, toute l'équipe charbonne pour de vrai, pour vous donner le meilleur des shows, pour vous donner le meilleur des contenus. Tout de suite, on va faire le best-of des défis, tous les défis qu'on a fait depuis le début du French Plug Show dans une compilation. C'est tout de suite. Wagwan. Et c'est parti pour le défi d'aujourd'hui, ça va plus être un délire, il n'y a pas vraiment de points
à avoir. Ça va s'appeler le voice-over French plug. Alors, voice-over, c'est quoi? C'est un concept qu'il y a déjà sur YouTube, il vous a menti. Hein. C'est des mecs qui mettent leur voix par-dessus des voix. Mais nous, on a dit, on va faire notre version. Donc, sur ça, il a pas menti. Sur ça, il n'y a que nous qui allons le faire de cette manière. Donc, voilà. On va commencer directement avec Fodjé. Donc, on a choisi un truc particulier pour toi, Fodjé. J'ai essayé de trouver des trucs qui vous ressemblent. Ouais. Donc là, je vais demander à la régie de nous mettre la première vidéo de Fodjé. Alors, comme vous voyez, c'est super technique derrière moi. Et voilà la première vidéo. Et tu dois faire la voix. 3, 2, 1, on y va. On met celui de Fodjé. Je me suis fait frapper par un singe, les gars. Il m'a attrapé les couilles. Truc de ouf. Il est arrivé par derrière. Il m'a attrapé comme ça. Il me faisait des trucs chelous. Et là, je me suis arrêté. Je me dis, mais non, mais c'est un singe quand même. Et là, il me met des coups. Pa, pa, pa. Bah, il se fout de ma gueule, gros, carrément, il me regarde, il se fout de ma gueule, gros. Et il se met à courir comme ça, dans sa jungle. Et il me dit, tu vas pas m'attraper, gros, je te jure que le singe, il me parlait. Et il était là, il dansait comme un ouf. Là, je commence à rattraper et tout. Et là, il me dit, c'est pas fini, mon gars. Et là, il me met que des coups de coude dans la bouche. Et là, il me fait tourner, carrément, il me fait tourner. Il me met les coups de coude, gauche, droite, gauche, tac. Et là, je me dis, c'est fini, c'est fini. Et là, il me dit, bah non, mon pote. Bah, 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 bah. Merci Fodjé, c'était chaud. Wow. C'était chaud. C'était chaud, l'histoire du singe, ça t'est vraiment arrivé? Ouais, ça m'est arrivé. Ouais. Ok, tu peux raconter un peu comment ça s'est passé? Ben, c'est déjà raconté. Ok, voilà. Bien joué. Wow. Alors, on enchaîne avec la malattitude. Avec la malattitude. Du coup, c'est la vidéo de la malattitude. Donc, alors laquelle on a choisi? Attends, je te lance le top. Attends, je te lance le top. Ok. Ok. T'es prêt? Vas-y, c'est parti. Bien sûr, tranquillement. Zen. Oui, sans crier. 3, 2, 1, c'est parti la mode. Donc là, t'es sérieuse, là? Tu me fais à manger à cette heure-ci sans protéines? Sans protéines, hein? Là, tu vois, là, j'ai faim. Là, j'ai faim, putain. Là, il me faut des protes. Pas de protes? Hier soir, pas de protes. Aujourd'hui, pas de protes. Putain, demain, il faut des protes. Là, t'es sérieuse, là? Non, mais là, je fais comment, là? Là, je dois aller à la salle, là. Là, tu sais, là, que je dois aller à la salle. J'ai des problèmes, moi. J'en ai marre. J'en ai marre sans protéines. Là, je prends comment des muscles? Là, t'as pas vu mes putains de bras tout maigres? Hein? Là, tu vas me du poulet, du KFC et un McDo. J'en ai rien à branler, moi. Rien du tout. Merci, merci, c'était chaud. Bon, on enchaîne avec celui d'Eymalours. Eymalours. Donc moi, en gros, je dis ce qui se passe dans sa tête. Ok, vas-y. Toi, tu racontes ce qui se passe dans sa tête. Ouais. Vas-y. Putain, je me suis retrouvé là avec deux bonnasses. Son truc de ouf. C'est quoi le morceau déjà? Tic. On Marguis, Ross, dans le cerf. Oh putain, regarde celle-là, là. Putain, et c'est son boule qui me touche, là. Attends, mais c'est un truc de ouf. Ouh là là là. Oh, j'oublie les paroles, attends. Ouais, fuck, ouais. C'est moi, je suis 6ix9ine. Attends, mais y'a Bibou, merde. Attends, me touche pas, attends. Oh, j'arrive pas à la lâcher, merde. C'est un truc de ouf qui se passe, là. C'est un truc de ouf. Mais non, attends, s'il te plaît, décalfé, crari, ouais, t'es parti. Ouais, on Marguis, Ross, je suis en studio, bébé. T'inquiète pas, il se passe que des trucs de ouf. Putain, elle a une odeur de ouf, c'est un truc de ouf ce qui est en train de se passer là. La tête de ma mère, je vais te plier. Vas-y, viens, je vais te plier. Je vais t'emmener au ciel, au 7ème ciel, c'est un truc de. Non, bébé, regarde, tu es là, je suis tout seul. Je fais des. Waouh. Putain, elles sont boules là, je les touche en secret. Wow. Alors, j'ai une question, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Waouh. Excuse-moi. Non. La meuf en vert, c'est la meuf qui est devenue sa meuf après. Ouais, c'est elle. J'avais pas tuté, elle était sérieux. Bon, pas. Ah. Du coup, ça t'est déjà arrivé? Non, oui, mais c'était pas avec Bibou. Ouais. D'accord. Ah, ok. Ah. Ouais. D'accord. C'est trop. Je me suis dit, ah merde, on va devoir couper des trucs. Du coup, on enchaîne avec celui d'Alisha. Donc, tu choisis, tu fais. Bah, en fait, je t'ai mis celui-là parce que voilà, vas-y. Mais. C'est parti. J'ai rien. Ah, je dois doubler lui aussi. Ah, ouais, tu doubles tout en fait. Ah, bah, il faut improviser, allez. Allez, improvise. Allez. Bah, recommence, putain. Alors, je te donne le 3-2-1. 3, 2, 1, c'est parti, Alisha. Bah alors, bonjour, Miss Cardi. Je voulais savoir, est-ce que vous avez des mycoses aux pieds? Ah, c'est con, c'est pas mal. Et non, mais allez, dites-moi. non, je vais rigoler. Allez, salut. T'es con, mec. Waouh, wow. Wow, je m'attendais pas à ça. Quel freestyle. Wow. Du coup, Doug Logan qui lui aussi... C'est l'impro. On y va, attends, je te donne le 3-2-1. Alors là, c'est un peu bordel cette vidéo, donc tu fais ce que tu veux. Vas-y. 3, 2, 1, c'est parti.
Et Fredo, j'étais l'autre jour au restaurant, tu vois, j'étais en mode posé, tout ça. Puis je commence à fumer et je danse comme ça. Je danse. Oh, t'es qui toi? Oh, putain de ouf. Hey, Fredo, moi, tu vois, je danse comme ça et je fais des jeux d'épaule, tu vois. Normal, normal. Et attends, je fume. Laisse-moi fumer mon stick, hein? Mon stick? Voilà. Wow! Substance gastronomie! Oh, oh putain! Oh putain! Oh Fredo! Oh Fredo, je suis mort! Oh Fredo, je suis mort! Oh Fredo! Oh, ouais, ouais, Fredo! Ouais, non, hein? Quoi? Tu m'as dit quoi? Mais vas-y toi, ferme ta gueule gros. Ah, vas-y Fredo. Hein, mets-moi un petit café là, s'il te plaît, 50 centimes. Allez, allez, vas-y. Attends, je fume encore. Ouais. Tout ouais. Ça c'est dans un bar, c'est ça? Ouais. Ouais. On danse. On danse. On danse. Ouais, putain, j'arrive pas à m'arrêter Fredo. Ouais. Mais alors c'est qui Fredo? Ouais, c'est ce qu'il m'a dit tout à l'heure. Je suis pas frère, ouais, je suis un pro, ouais, je te connais. En tout cas, c'était les voice-over, franchement, vous pouvez vous applaudir. Moi, j'en ai pas mis une. Non, j'en ai pas pour moi, j'en ai pas pour moi. Mais je peux peut-être en reprendre une. Ouais, tu veux reprendre laquelle? Tu veux reprendre laquelle? Vas-y, mets-moi celle de Kanye. Hein, ouais. Je sais pas. J'avoue, j'ai pas d'inspi. Attends, je te dis 3, 2, 1. On y va. On y va, vas-y. 3, 2, 1. Et tu me crois pas sur la vie de ma mère, je sais que tu me crois pas. C'est comme d'hab. Je sors, je vais en soirée avec mes potes et tu dis toujours la même chose. Moi, regardez-moi, moi, tu penses que je t'ai trompé? Tu penses que je t'ai trompé? À chaque fois que je sors, tu me fais le coup. J'ai une gueule à te tromper? Non, j'ai pas une gueule à te tromper. Moi, c'est Balou, bébé. Balou, B-A-L-2-O. Tu me respectes. Je t'aime. C'est toi que j'aime, tu comprends? Je t'aime. Je t'aime. Alors arrête. C'est bon. C'est un petit freestyle, c'est montrer mon côté sensuel. Ça t'est jamais arrivé du coup? Non, ça m'est jamais arrivé. Ça tire. Je casse les couilles quand je pose cette question. Bien joué, fou. En tout cas, n'oubliez pas de réagir au show avec le hashtag FrenchFlugShow. C'était un show spécial, hein. Tout est parti en live. Je vais introduire ma main dans l'orifice qui se trouve à ma droite. Voilà, c'est ici. Ah, comment ça, oh my god? C'est quoi que vous avez mis là? Non, allez, vas-y, mets. Là, tu touches, tu es dessus. Vas-y. Je rigole, vas-y, arrête. De l'air? Descends. Mais il m'énerve là. Descends. Hey, attends. C'est quoi? Voilà. C'est quoi ça? Mets ta main là. Non, je mets plus. C'est du caca de chat ça. Oh my god. Y'a pas un plateau. T'as 30 secondes pour deviner c'est quoi. Allez. Allez. Ah putain, c'est une saucisse. Ah là là. Tu sais comment j'ai reconnu? Comment? À cause de la température du truc. Ah, c'est vrai. Parce que je les mange direct comme ça là. Ok. Vas-y, tiens, le micro. Le micro. Tu te poses, fou. C'est cool? Attends. C'est pas un animal vivant. C'est qui a ramené ça? Putain, le truc de malade! C'est un animal vivant? Il bouge à l'intérieur. Non, C'est bon. Il bouge plus. Quoi? Ça y est, bouge plus. Wesh. Vous êtes prêts? C'est le Sinistros. Allez, on y va. Vous êtes prêts? Action. Vas-y, à toi de jouer, Louis. Ok, j'enfile ma main dans le séchoir. Ça bouge, la tête d'homme, ça bouge, le gars. Non, t'inquiète. Ça bouge pas. Vas-y. Prends ça, mets ta main, t'inquiète. T'as 30 secondes. Vas-y, gros. Attends, il a bavé. Vas-y, frère, vas-y, t'inquiète. Vas-y, t'inquiète. Attends. Eh, fais-nous confiance. Eh, crois en moi. Crois en le pouvoir de l'amitié. Vas-y, attrape-le. C'est quoi ça? Non, je peux pas. Si, si, vas-y. Appelle-le, gros. Eh, c'est pour nous, gros. West Coast, frère. Pour la West Coast. Elle est 30 secondes, elles sont passées, voilà. Vas-y, retourne. Les rochers nous attirent.
C'est une tête, ça. C'est une tête. Gros pouvoir de l'amitié. C'est une tête. Allez, c'est bon. Allez, c'est bon, enlève-t'es. Enlève-t'es. Oh mon dieu. C'était quoi, cousin? What the fuck? T'as dit gros pouvoir de l'amitié. J'ai essayé de mettre ça, gros. C'est parti pour le défi d'aujourd'hui qui s'appelle Star pas comme les autres. Alors, c'est simple. Ça va être un concours d'imitation. On va devoir, vous allez devoir, parce que moi je vais pas le faire, vous allez devoir imiter les stars, les stars du rap US dans des situations que j'ai choisies. Et on va commencer avec toi, Emma. Alors, attention, viens. Le premier test, donc, c'est comme d'hab. S contre West. Waouh, wow, c'est quoi ce rire? Est-ce que tu peux récupérer le micro qui est devant et te mettre devant? Alors, il a un rire assez bizarre. 3, 2, 1. What the fuck? Tennis! Ouais, tennis, mais. Mais c'est. Qui joue comme ça? Six Nights! Tu joues du tennis? Putain! Ok, ouais. Waouh! C'était traumatisant, c'était l'expérience. T'aurais pu dire 6-9, tu vois, genre. Tu sais, t'aurais le score, t'aurais dû faire sa danse, hein. T'aurais pu faire la jeu danse. Le jeu de jambes. Le oh fucking Trevor, il était aigu, là, franchement. Oh mon dieu. Il a été castré en prison. Il était content parce qu'il a gagné. Il était castré en prison ou quoi, le bordel? Tu connais? On continue, on enchaîne. Du coup, c'est qui a trouvé en premier? C'est moi, je l'ai dit en entier. Ok, bon, allez, ça fait un point. De toute façon, on sait qu'ils vont gagner, c'est bon, allez, on arrête de faire semblant. Ils gagnent tout le temps, allez. On y va, au tour de Fodjé. New Patek en Maris. Lizzie au resto. Lizzie serveur. Ah, attends. New Patek en Maris. Lizzie qui fait la vaisselle. Lizzie qui est au bar. Ah, ça recorde. Lizzie qui fait la vaisselle. Lizzie qui. New Patek en Maurice. L'illusion au magasin. L'illusion au magasin. Qui fait les courses. Ça a été trouvé. Et c'est parti, c'est au tour de l'Amad Attitude. Donc, regarde pas, Emma, regarde pas. À toi de jouer. C'est parti. On y va. 3, 2, 1. Ah, putain. Kiki, do you love me? Drake. C'est Drake déjà. Drake qui baise. Cheval. Drake qui Wayne. Drake qui danse. Tu fais du cheval. Drake a une relation sexuelle. En doggy. Drake en doggy. Est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ça. Attends. Comment ça en doggy? Attends là. Pourquoi t'as sauté là? Non. Ça sent le vécu, les deux. C'est des escabeaux. Non, c'était même pas pour ça. C'était pour savoir. Pourquoi t'as sauté? Non, c'est comme chacun. Ok, tu sautes quand t'es en doggy. C'est noté. D'accord. Autour de Doug Logan. Qui a trouvé? Oh putain, on est nul. Autour de Doug Logan. Ouais, de toute façon, je peux. Ça va être assez dur, hein, je vous avertis. Et n'hésitez pas à jouer en commentaire. Je suis un week-end. Je joue à la play. Ah, c'est quel son ça? C'est week-end. C'est quel son ça? Je suis en week-end. Il est week-end. The week-end en week-end. The week-end en week-end. Sérieux, là, the week-end en week-end. Mais attends. C'est pour ça que t'as dit la play et tout. Ah ouais. The week-end en week-end. Et on termine avec Alicia. Il me faut une meuf. Bah, ok, on va prendre la mad. Bah, c'est celui qui est le plus proche, hein, c'est la juste pour ça. Le plus proche de. Non, le plus proche de Alisha, pas de, enfin, de ce côté-là. Pas le plus proche des meufs. La mad additrice. La mad. T'as dit quoi? La mad additrice. La mad additrice. Ah là, tu dois jouer le rôle d'une meuf. Ok, c'est parti. Ouh. Young Aimee. Young Aimee. Tu gères une meuf. Oh, ouais. On peut pas jouer un peu là. Bah vas-y, continue, t'allais rajouter quoi? C'est bon, c'est bon. T'allais rajouter quoi? Vas-y. Vas-y. Shorty, you're so fine. Can you be my FNA? Parti pour le défi. Alors, le défi s'appelle Devine ce mot en un rap. Alors, bon, il y a eu des paix en antenne. On va pas citer qui a pété, mais voilà, on laisse des pauses, ça se lâche. Apparemment, c'est le stress du défi. Mais on dira pas qui a pété. C'est moi. Je l'ai fait. Bah toi.
Bon, c'est beau, je craque. Alors ouais, ça sent pas très bon, hein. Putain, je savais pas que les lovers, ça pétait comme ça. Du coup, en fait, je vais vous imposer un mot à chacun. Et à partir de ce mot-là, vous allez devoir faire un 16. Un 16, et en fait, le but, c'est que les gens devinent en fait le mot que vous interprétez. Et pour ça, comme d'hab, c'est la West Coast contre la East Coast. Et chacun, vous allez avoir un mot, donc voilà. Et vous allez avoir chacun 2 minutes pour écrire le mot. Okay. Pour écrire votre punchline, etc. Okay. Est-ce que c'est clair ? C'est clair. Yeah, donc, man. Je vais vous dire le mot à chacun dans l'oreille. Et c'est parti, on y va. Ouais. C'est parti, on commence. Ah ouais, merde. Vous pouvez tous sortir vos feuilles. J'écris sur le phone, tu connais. Ok, toi, t'écris sur ton phone. Et c'est parti, vous avez... Pencil, please. Ouais, stylo, feuille. Wow. Et c'est parti, 3, 2, 1, ça écrit. Wow. Et on commence. Et on commence avec Fodjé. Copaladé. Fodjé Sissoko. C'est le premier mot, bien sûr, on lui laisse finir son 16. Et dès que je donne le top, vous devez balancer le mot que vous pensez qu'il a essayé de vous faire découvrir. C'est parti, Fodjé. Je suis assez lourd quand je suis dans la poche, c'est pour faire des trous. Mon gavage fait du bruit, ça fait papapapapa. Et en plus, on peut me ranger dans la boîte à gants. Mais quand je tire, ça fait pou pou pou, des trous dans ta peau, mon gava. Mais attends, c'est un freestyle là. C'est un pistolet, ça, non? Ouais, bon, c'est un gun, mais c'est un freestyle. T'as pas écrit ça? Eh, c'est un gun. Bon, il l'a dit. Ah, bon, ça fait un point pour. Du coup. Quoi, tu l'as dit en premier? Ouais, il l'a dit en premier. Ouais, bon, du coup. C'est un pistolet. Du coup, on a Louis Aouda. Bon, c'est un peu de la triche parce que toi, tu fais déjà du rap. Bah, quoi, ouais. Il y a deux rappeurs dans l'équipe. Il y en a trois. Parle dans le micro, wesh. Mais qu'est-ce qu'il a pas parlé dans là, le micro? C'est Aïma Lours. Là, c'est Aïma Lours. Non, c'est Birs. C'est Aïma Birs qui s'est rappé. Ok, ah, okay. Voilà, donc Louis. Vas-y, moi, je l'ai fait différemment. Je savais pas qu'il fallait le faire comme ça. En fait, je dis, vas-y, vous devez dominer le mot après la rime. Ok. Alors, je me transforme en Louis Aouda. Ok. Ok. On s'est promis de jamais le faire. Avant de te connaître, je n'étais rien. Aujourd'hui, je connais la même peine. Je me gratte la tête et je me dis, l'amour parfait, c'est dans les films. Et ça dure 1h30. J'ai ton visage en fond d'écran, nos souvenirs au fond de ma tête. L'amour, une question étrange. T'es l'erreur que je veux pas refaire. J'ai 1 million de points de suture. Le premier amour est le meilleur. La première rupture est la plus dure. C'est pour ça que je déteste aimer. Je récolte jamais ce que j'ai semé. Je fais que de saigner. On avance ensemble. Même là, tu m'as fait freiner. Hey, bagaudois, j'étais si fort. Hier, on s'aimait pour la vie. Mais aujourd'hui, on dit. C'est fini. Merci, c'est fini. Non. Attends. Aujourd'hui, on dit. Merde, je suis con. Okay. On divorce. Que je suis. Merci, Malou. Merci. Là, je suis vraiment pénalité, con. Pénalité, ah, mais pénalité. Ok, bah, génial. Alors là, je suis le plus con. Tu m'as sniqué. Là, c'est hardcore. Là, t'as fait Logan. En fait, je sais pas, je suis rentré. Comme s'il était dans la West Coast, en fait. Ouais, bon, c'est le divorce, du coup, il a eu un. Peace. Et là, on gagne. Chaud de ouf. Là, on gagne. Chaud de ouf. Chaud de ouf. Ça enlève des points. Non, mais attends. Lui, il a pas triché. Tu dois tricher. Il a dû dire. Là, le point, il est à Balou. C'est à toi le point là. Non mais non, il a trouvé. Vous auriez pu le dire avant. Qui a trouvé? Il a trouvé la mad. Mais tu le regardais, il dit. Il me regardait pas. Bon, bon pas, dans tous les cas, voilà, on s'en fout. On enchaîne avec celui de Doug Logan. Il est mieux, il est facile, hein, je crois. J'ai. Ouais. Vas-y. Moi aussi. J'ai fait en 5 minutes, hein, pour vous dire que. En 5 minutes. Ah ok, j'ai cru que t'avais fait 5 minutes de son, je vais dire. Ok. Oh. Mais tout le monde l'a fait en 5 minutes de toute façon. Enfin, même pas. Je mate pas des films X depuis 98. Je me sens sad quand je pense à toi. Depuis que j'ai 17 piges, je dis fuck love parce que je veux dédover. Je me bats contre moi-même dans mon peucli. Sans vous, je suis rien. Merci ma cucli. Je suis en dépression, même si j'ai des millions de followers. Dans mes débuts, j'ai clashé une légende. On m'a pris pour un rêveur. Malgré mes messages positifs, je suis merde. Malgré mes messages positifs, je suis né et je meurs à Miami. Ex-ex-ex-ex-tentation. Ok, point pour Alisha. L'énerve ma poule. Bon, on continue avec la malattitude. Qui lui... Vas-y, c'est à toi de jouer. On y va. Il s'est pris un vent. Wow. C'est pas grave. On y va. Allez. Ok. Mal au derrière, je peux pas marcher. Je veux continuer, s'il vous plaît. Mal au derrière. Allez, on les laisse faire. Vas-y. Mal au derrière, je peux pas marcher. J'ai besoin d'un coussin pour pouvoir me poser. J'ai pris rendez-vous, pas pris, pas vu. On m'a prescrit une crème pour le cul. Le cul, hémorroïdes. Ouh, cool. Alisha, du coup. Je l'ai fait dire à Logan, il a dit que c'était... Ok. Ouais. On va voir si vous allez y répondre. Attends. Ouais, ok. Ben non, il sait pas c'est quoi le mot. C'est bon? Vas-y.
Ok. Ils peuvent faire du bien comme ils peuvent faire du mal. Se déclinent en différents types. Check les fleurs du mal. Pour certaines personnes et non pour d'autres. Ce qu'a le Seigneur pour ses apôtres. Ce qu'a ma mère et toutes les vôtres. Ce que ta pute ressent pour d'autres. Rime avec lourd, va avec sexe. Ce qui est sûr, c'est que j'en ai plus pour mon ex. Excité comme jamais quand je le ressens, baby. Tout le monde peut y tomber, même les pires tarés. Amour. En fait, c'est bébé que je voulais dire. Voilà, c'est l'amour. L'amour. Bon, là, je pense que c'est une victoire écrasante de la West Coast. Comment incroyable. Ça, l'amour, c'est bébé. Elle a dit. Hein c'est bébé. Hein. Elle a dit, c'est bébé. Mais non, c'est non, 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 je voulais dire bébé. Parce qu'en fait, j'ai dit excité comme jamais quand je le ressens bébé, tout le monde peut y tomber, même les pires tarés. C'est mais l'amour. Baby, et vous écoutez là, elle décrivait un bébé en fait. Ouais. Comment ça? Donc là, pour vous, wow. C'est un bébé. Ok, d'accord. C'est pour toi que j'ai niqué la rime. Alors là, la East Coast, là, j'ai l'impression que depuis West que Louis est arrivé à l'Ouest, là, il y a une petite différence. Ouais, il leur a donné du QI là. Il leur a donné du QI. Ouais. Vous êtes plus des vigiles, ça y est. Ouais, il vous a donné du QI. Quoi que, regarde, les deux sont toujours vigiles. Ouais. Bon, là, on est autour de Hey Malours. Bus! Mais Beers. Là, t'es Beers. En Beers ou pas Beers. Voilà, c'est bon, je suis rentré en Beers. Ok, il est rentré en Beers. Alors là, je veux des flammes pour Aima Beers. Oh, je peux y aller? Vas-y. Oh, okay. Beers mode. Négro, je te pose une colle. Hey. Béret sur la tête, je décolle. Hey. Je filme ces rappeurs, je suis leur idole. Hey. Mon festival, c'est le feu si tu picoles. Hey. Je les filme avec ma boîte limonade. Tu es le meilleur de ma génération, c'est immoral. Hey. J'ai buzz down avec phase. J'ai buzz down avec phase bleue. Du soir, viens, s'il te plaît, faut qu'on leur fasse peur. Je viens de faire une conférence TEDx. J'ai fait Kanye et Melvin. J'ai fait Gucci et Wiz. Je suis. Cole Bennett. Wow. On a gagné. On a gagné. Si. C'est ton problème. Lyrical Lemonade. Les meilleurs. Moi j'avais oublié que c'était Lyrical Lemonade. Comme là pour vous, vous avez gagné. Ouais, si, si. Vous avez un point. La 4-1 là. Vous vous êtes fait écraser. Allez, le dernier c'est moi. Ah, dernier, ah en fait. Balou. On a gagné. Mais nous on a déjà gagné. J'en ai un. Okay. Je suis un dictateur. Balou. Balou. Ouais. Point bonus. Point bonus. Ouais, on a gagné. Bonus. On a gagné. On a gagné. On a gagné. Je suis un mec mortel avec un peu de sel. Et j'ai une hirondelle. J'adore les coccinelles. Et moi, le Babybel. Et je bois de la vitelle. J'y mets un peu de caramel. Mon gars s'appelle Nicolas Flamel. Oh. Hier, j'ai pris du miel. C'était pas Noël? Hey. Donne-moi ton email. Hey. J'irai peut-être à Shell. Oh. Tu manges dans une gamelle. Donne-moi ton Fontel. Allez, 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 allez. Non, c'est lui, on va faire c'est lui. Le seul à faire. Alors là. Oh, mais c'est bon, j'ai capté. Vous m'attendiez au tournant. Ouais. Attends, il y a le casse-toi. Le son, il fait hey, moi je fais ça, j'allais partir. Et vous m'arrêtez. Tranquille, ouais, mets-toi moi. Vas-y, tranquille. Non, mais vas-y, tranquille. Vas-y, je suis éliminé. Moi, j'accepte mon élimination. T'avais rien. Vas-y, vas-y. Espèce de tricheur. Genre moi en L, j'avais rien. Genre moi. Respectez-nous, ma gueule, respectez-nous. Oh. Oh shit. Yes, on va passer au défi, c'est devine la star. Ouais. En gros, je vais vous afficher une star sur l'écran qui va être pixelisée. Et vous allez devoir deviner c'est qui. Ok. Et ouais. Celui qui devine, il a un point. On a des indices, on a un truc. Jamais, si jamais vous trouvez pas directement, j'ai des indices. C'est toujours East Coast contre West Coast, East-West. Voilà, c'est chacun pour sa peau. Chacun pour sa peau. Chacun pour sa peau, ma gueule. Ok, vas-y. C'est cool. C'est toi qui lance. On commence pour la première. Regardez l'écran. Beyoncé. Moi, il y a Balou devant moi. Attends, ouais, c'est trop pixelisé là, non? Non, Beyoncé. Babe. J'ai trouvé. Merci. Beyoncé. Un point pour moi. Balou, attends, tu me gênes un peu là. Ouais, tes cheveux et tout. Du coup, tes cheveux. Bah, moi, j'ai. C'est bon? Beyoncé, bah c'est Beyoncé là. C'est Beyoncé. C'est Beyoncé. J'ai gagné. On passe au suivant. 3, 2, 1. Charlie Gambino. Charlie Gambino, j'ai dit en premier. Yeah, c'est ça. Non, Logan, il m'a dit en premier. Mais regarde tes textes. Non, non. Je bois à votre santé, les frérots, vous inquiétez pas. Non, c'est Logan, c'est Logan. Ouais, je suis une bite. On passe au troisième. Drake. Ah merde. Putain. Merci, merci, je sais. Fuck. Je sais, c'est facile. Ah, mais moi, j'ai un contre-jour. 3, 2, 1. Suivant. Merde, Kendrick Lamar. Chance the Rapper? Non. Tory Lanez. Kendrick Lamar. Non. The Game. Il a joué son rôle dans son propre film. Chris merde. Dans son propre film. 50 Cent. Non. Tupac. 50 Cent. Il a la vue dans son poche. Il a dit 50 Cent. Ah, je suis là, il est jeune. On passe au suivant. 3, 2, 1. T-Pain. Yes, T-Pain. Attends. Vous êtes nuls. De ouf ce qu'il a fait là. Ouais, de ouf. Vous êtes prêts? On a encore pas le point là. Le suivant il est dur. 3, 2, 1.
Napoléon Bonaparte. Nipsey. Non. Bixen. Henri Salvador. Attends. C'est un lézard là, wesh. Attends, c'est un lézard, wesh. C'est Chris Brown. Attends, c'est quoi ce jeu? Quoi? Wesh, ils disent tous des trucs. Ouais, c'est Chris Brown. À volonté. C'est un désordre ça, frère. C'est Chris Brown. Ouais, mais je l'ai bah dit ouais, premier. Arrête, c'est Chris Brown. C'est moi, je l'ai dit, gros. Il est né à Beverly Hills. Ouais, c'est ça. Ils sont tous nés. Je sais pas. Il est mort en 2004. Il est mort en 2004. Ah ouais. Ah ouais. C'est un rien. Il est chanteur, compositeur, arrangeur et pianiste. Ah ouais. Là, je vais donner. Ah non, là, je vais donner. Là, je vais donner. Ah mais non. Là, je vais. Là, je vais. C'est lui qui fait ça. Ah, Richard. Richard. Waouh. Ça triche, mon frère. Ça triche. J'allais le dire. On passe au suivant. 3, 2... Ouais, Balou, gros. Balou, wesh. 3, 2, 1... Non, Juice WRLD. Juice WRLD, c'est ça. Wesh, cousin, putain, mais comment vous faites pour trouver ça? Comment tu trouves ça? Mais ouais, c'est facile, wesh. C'est pas malin, tout quoi. Tu crois que je connais cette photo de Juice WRLD? Mais oui. Je regarde pas les photos déjà. C'est nous, c'est obligé. Vous êtes prêts? On passe à la suivante. Merde. 3, 2, 1... Mais non! Waouh, mais c'est qui ça? Wiz Khalifa! Wiz Khalifa! C'est Wiz Khalifa! C'est pas Wiz Khalifa! Attends, ouais! Wiz Khalifa, j'arrête de jouer! Donne des indices, donne des indices! Alors, mais remets l'écran, Balou! Lil Wayne! Lil Wayne! Lil Wayne! Elle est. Ah, c'est Young M.A. Ouais! Putain! Regarde, j'ai reconnu sa petite posture! Ok, attendez, avant qu'on mette la suivante! Comment j'en trouve aucun là? Là, ça va être au plus rapide parce que c'est grave facile! 6-9! 2 6-9 6-9 Cardi B, elle est l'image. Non, c'est Rihanna. Black China, Rihanna. Rihanna au carnaval de Trinidad. Tu lui as dit avant. Non, c'est Rihanna au carnaval de Trinidad. Elle avait des gros lolos. Elle gagne en plus. Il en reste deux. Pourquoi t'as pas mis que des meufs? Non, mais je 3, 2, 1. Cardi B, Nicki Minaj, Adrien Akambe. Cardi B. J'ai dit. Mais j'ai. La tête, toi, mais ouais, je te sens. Tu es en premier. Qui est Adrienne? Elle est un peu blonde quand même de base. Bon, allez, le bonus. Elle est bête. 3. Le bonus, il vaut combien de points? Chiff kiff. Celui qui trouve le bonus, le premier coup, il a. Shane Paul. Donc, prenez votre temps avant de répondre. 3, 2, 1, go. Ashley. Kalash. C'est Kalash. C'est Kalash. Mais attends, je comprends pas. Pourquoi tu mets pas des... Pourquoi tu mets pas quoi? Non, c'est à nous de mettre une note. C'était qu'une personne que vous connaissiez. Non, mais note son jeu, c'est son jeu. Franchement, venez, on note son jeu sur 10. Il pue la merde. Non, il est trop bien. 10 sur 10. Non, il est trop bien. 10 sur 10. Je vais juste dire ce que je pense. Non, il est trop bien. Je pense que moi, on m'a mis dans un angle qui est pas... Non, mais d'habitude, tu participes pas au défi. Non, mais attends, je peux m'exprimer. Tu peux s'exprimer? Tous, on met une note. Oh, je peux m'exprimer. Ok. C'est nous, c'est obligé. Ok. Pas de raison pour t'échapper. Donc, je pense que tu m'as mis dans un angle. Déjà, si tu regardes bien, là la lumière elle tape. Du coup, directement je vois rien. Quand j'ai dit on change de place, m'a dit. Ensuite, regarde, regarde. Soit je suis l'exorciste, soit je. Mais d'habitude, tu joues pas. Vrai. C'est toi qui m'as dit. Mais avec un mec qui savait le faire. Et d'habitude, tu joues pas. T'as raison. C'est pas une raison pour tricher. J'avoue qu'il a raison. J'ai voyagé avec un malien, la vie m'a versé à ouf. Et j'ai voyagé avec un malien quand je suis parti à LA, quand j'ai pris le truc à Chicago. Ah t'as dit mais c'était Fauci. Il ressemblait à un gars, il ressemblait pas à Fauci, mais c'était un malien, c'était mais vraiment un malien. Il m'a dit, on était dans l'avion, il m'a dit regarde ce que je sais faire et il a tourné sa tête en 180. Sérieux, c'est vrai c'est la vie de ma mère, c'est vrai. Bon, je lui ai envoyé direct. Je lui ai envoyé direct. Putain, tu m'as rappelé ça. Putain, comment j'ai pu ne pas raconter ça? C'était le truc du vol, en fait. Là? Ouais, là. Mais oui, il avait mis en photo dans le groupe. Ouais, le dernier vol. Putain de merde. Mais je l'avais mis où, ça? Dans le groupe. Ah ouais, et t'avais envoyé en photo dans le groupe. Bah ouais, je l'ai mis dans le groupe, en plus. On a un petit groupe WhatsApp. Enfin bref, excusez-moi. Putain, j'ai le débouché, ça. Merde. Du coup, c'est qui le gagnant? Je vais faire la conclusion, là, parce que j'ai le débouché. Bah, le gagnant, c'est qui? Bah, du coup, moi, je note sur 10 ton jeu. 3 sur 10. Merci, merci. Très mauvais jeu. Merci. C'est pourquoi très mauvais jeu? Parce que je te dis, les conditions font que. Ah, les conditions, là, j'ai pas pu bien regarder. C'est trop. Et c'était trop pixelisé. Bah, si c'est pas pixelisé, c'est trop facile. Mais oui. C'est trop facile. Elle a tout trouvé. Ouais. Mais attends, c'est moi j'ai trouvé, wesh. Je pense que tu lui as donné les réponses. Mais j'ai rien donné du tout. J'ai tout trouvé, frère.
Même lui, la mise en place de la tête, comment ça, même lui, genre créé sur un casseau, c'est quoi ce délire, il est commis majeur. C'est bah, lui, il voit les photos tous les jours. Non, mais c'est lui qui les a envoyées en plus. Mais non, franchement. À part Kalash et Richard, qui étaient des pièges, on voyait, c'était quoi. Kalash, t'es pas si con. Le jeu était très bien. Non, 310. C'est vrai que c'était quand même dur. Après, j'ai quand même eu le plus dur. La mise en place du jeu, voilà. Le top départ, voilà. Emma, t'as pas mis de crème ce matin, donc voilà. Voilà, j'ai de la crème aujourd'hui. Non, t'as pas de crème. Voilà, j'ai de la crème. Du coup, MVP, ça reste quand même la mode. On envoie, c'est du Roenock pour ceux qui n'ont pas reconnu, voilà. C'est tentant, on va lancer le défi. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on l'invite. Le Roenock ouais. Mais à qui tu dis ça? Tu crois j'aimerais pas Ah bon, plus sérieusement, on va lancer le défi. C'est, on reste dans les jeux d'enfants. C'est le Barbichette Challenge. Le je te tiens, tu me tiens par la Barbichette. Donc du coup, on va faire un tournoi. Allez, on va faire un tournoi. C'est-à-dire, ça va être 1 contre 1, demi-finale, finale, enfin bref, un tournoi. Quoi. Allez, on commence avec le frérot Aima contre Doug Logan. Barbichette Challenge, vous allez au milieu. Vous connaissez le concept? C'est quoi le concept déjà? Mais arrête, Emma. Tiens, c'est moi qui chante la musique. C'est... Mais non, c'est ceux qui sont au milieu. Ok. On t'a parlé, non? Mais c'est je te tiens, tu me tiens par la bichette, et vous, le premier qui rigole, il a une tapette et il est éliminé, quoi. Voilà. Ah, on met une vraie gifle ou... Une gifle. Allez, vas-y, vous tenez par la bichette, les gars. Pas de soucis. Je te tiens, tu me tiens... Attends, chante, frérot. Okay. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Vas-y. Le premier qui rira aura une tapette. Et vous devez faire des blagues, des trucs. Ah ok. Faut qu'on sait encore. Ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais. Merde, je voulais dire un truc, j'ai oublié. Mais il a perdu là. Pourquoi tu... Voilà, ok. Mets-lui une baffe. Franchement, le round 1 il était nul. Le round 1 il était nul. Allez, Logan, t'es éliminé. C'est-à-dire Logan qualifié. Voilà, Logan qualifié, éliminé frérot. Ouais, c'est mis vrai gif, mais gros, tu crois que c'est on t'a dit mets une gifle. Mais là, je vais être super trop loin à côté de toi. Allez, Lamad face à. Elle est arrogante un peu. Allez, on y va, Lamad face à Alisha. C'est parti. Je te tiens, Vas-y. Barbichette, mais attends, elle est où ton menton là? Je te tiens par la barbichette. Le premier qui rira aura une tapette. Salut, ah, t'as de la moustache. Faut parler dans ta gueule ou quoi? T'as de la moustache. Mais t'as vu là ta gueule là, tiens, à toi? Non, je peux rigoler, c'était ironique. Ah ouais, t'as pas rigolé là? Moi je suis un beau gosse moi. Moi, à mettre. Tu joues pas, Logan. Elle a rigolé. Je suis désolé. Attends, il m'a fait rire. Il m'a fait rire et parce que lui, il a fait. Moi, je suis un beau gosse, moi, un maître. Moi, je suis un beau gosse. Désolé, tu te prends la baffe. Vas-y. Voilà, il est gentil, petite baffe. Alors, la finale, c'est. Tu restes là, Lamad. La finale, c'est Lamad. Et le vainqueur, c'est contre toi Eric après contre ouais, on va voir si le vainqueur il fait contre moi. Non, je vais pas contre lui. Eric contre Ramzy. Waouh, la taille là, c'est record. T'arrives à nous avoir tous les deux. Ok. Putain, mais où sont. C'est quoi ça? Moi, je touche pas ça, mec. C'est quoi ce truc? Tiens la barre, tiens la barre. Tiens la barre, c'est pas grave, wesh. Non, mais le manteau, il est un peu au-dessus. Ah, ça me dégoûte. Vas-y. Il est là, il est là, je te tiens, tu Attends. Ah c'est... Non, je suis pas. En plus, il a bavé dans sa barbe et tout. Ah il a bavé sur sa main. Tu me dégoûtes. J'ai des potes comme ça. Il a bavé sur sa main. Et en fait, le boss, il est contre toi, c'est ça. Putain, mais arrête de me toucher, wesh. Vas-y, go. Tiens, pas la barbichette. Le premier qui aura une tapette. Vas-y, pardon, wesh. Tu te souviens quand t'es parti pendant je ne sais pas combien de temps sans donner une nouvelle à personne? Ouais, je sais, ça m'arrive souvent. Tu te rappelles quand... Ah non, je vais pas dire ça parce que sinon on va s'énerver. De quoi? Du fait que j'ai couché avec qui encore? Non, je vais pas dire ça sinon c'est dangereux. Ouais, je vais être dans la merde. Ouais. Vas-y, parle. 2 plus 2, ça fait 8. Pourquoi? Il m'énerve. Allez, prends-toi ta baffe. Pourquoi, wesh? Prends-toi ta baffe. C'est bon, c'était calme. Ok, est-ce qu'on fait une finale contre WAM? Finale contre Balou. Lui okay. Donne pas le mic, il a déjà un mic. Prends ton okay. Mic, Balou. Mon mic, il est là. Tour, j'ai entendu. T'as les nerfs, ma poule. Finale. Petit frère contre le grand frère. On y va. Je te tiens par la barbichette. Non. Non, mais attends, ça va pas commencer, là. Je sais pas sa tête, ou ouais, ça va pas commencer. Vas-y, ça attend.
de ouf. Hein. Mais il est con. Ah, il est con celui-là. Oh, il est con, hein, je te le dis. Ok, on y va. Ok, je te tiens. Je te tiens, tu me tiens. Par la barbichette. Le premier qui rira. Une tapette. Alors, regarde-le, Léo. Regarde-le. Regarde-le dans ses yeux. Vas-y, mets-lui une baffe, Valou. Il pleure. Ah, il pleure, le con. Mais Valou aussi, il pleure. Il se retrouve, ah, mais cons. Il pleure de ouf, wesh. T'as pas comment il pleure. Les deux, ils pleurent, wesh. Ah. Faites des gros plans, s'il vous plaît. Faites des gros plans, c'est incroyable. Il pleure. Je peux pas, je Valou, il a tenu. Je peux pas. Valou, il pleure de ouf, là. Il a les yeux tout droits. Je peux pas, gros, wesh. Je peux pas. Non, mais gros, attendez, c'est passé quoi là? Je sais pas, je peux moi, pas. Moi, c'est pas, il me fait rire, mais je peux pas rigoler, toi. Mais je peux pas, ça il sort par là, tu vois. Mais il s'est trippé, il fait une tête là, j'arrive pas, gros. Putain. Bon, bah, c'était. Matt, c'est qui a gagné le dernier round au final? Je comprends rien. Je sais pas, c'était vous, pas pris, vous avez pas donné de baffe, hein. Ils bon, ont pleuré en même temps. Ouais, ouais, c'était le défi le plus incompréhensible. C'est pas grave, c'était marrant. Mais t'es. Comment ça, c'est quoi? Il a dit, mets bien tes doigts. Comment ça, c'est quoi? Tu veux y aller? Vas-y, allez, let's go. Ok. Est-ce que t'as... Pareil, on va revenir sur tes dossiers. Est-ce que t'as eu des rapports avec la fille qui sentait... plus d'une fois. Est-ce que t'as eu des rapports avec la fille qui sentait plus d'une fois? Mais vas-y, non. Okay. Panique de ouf, là. De ouf. C'est beau, wesh. Ouais. Il a commencé à transpirer de ouf. Et tu sais, je t'explique. Ta réaction. On savait que ça allait. Mais c'est fou, wesh. Je t'explique pourquoi c'est t'as menti. Parce qu'en fait, pendant les dossiers, tu dis même que tu l'as refait une deuxième fois parce qu'elle est revenue chercher ses boucles d'oreilles. Mais non, elle est juste partie chercher sa boucle d'oreille. Après, j'ai. Mais non. On t'a posé la question. Et qu'est-ce que t'as fait à ce moment-là? Et t'as dit, bah, j'ai dû faire ce que je devais faire. Mais vas-y. Oui, mais on peut jouer au basket, je sais pas. Ouais, bah voilà, non. Au basket. Dans une chambre. Voilà. J'ai un petit panier, tu sais. Donc, alors, pour ceux qui connaissent pas, c'est dans la vidéo de ses dossiers. Apparemment, il a esquivé une fille qui sent pas très bon. Et il nous a esquivé, il a vraiment fait, c'est après, il s'est douché. Ouais, voilà, et il nous a dit qu'il avait pourtant rien fait. Et là, on vient d'apprendre que, bah, oh, du coup, c'était comment? Ça pue, gros. Ah, tu l'as fait? Non, mais j'ai pas fait. Voilà. Merci. T'as dit que tu t'es douché plusieurs fois et tout. Après, même, non. T'as tapé dans les murs et t'as dit pourquoi je baisse ma meuf avec une meuf qui pue? Non, c'est faux. J'étais petit. J'avais 4 ans. Non, vas-y, arrête, parce que ça va être la prochaine question. Je vais dire la meuf qui pue, c'était une dernière ou pas? Arrête. Bon, c'est à toi, Fodje, c'est à toi. On choisit la même comptine, on est d'accord? Vous faites ce que vous voulez en comptine. On peut changer, on peut. Tu racontes un truc là, mec. Good song. Ouais. C'est pas vrai, hein. 1-2. Putain, là, je fais dégainer du vrai Louis. Ah, okay. J'ai souffert, ouais. N'oublie pas que c'est une comptine. 1. Dédicace à tous ceux qui sont. Léo. Allez, let's go. Tout le monde la main en l'air, ouais. Hey. C'est vrai que l'intro est assez longue. C'est pas grave. Hey. Hey. Ah. C'est Gugus avec son violon qui fait danser les filles. Qui fait danser les filles. C'est Gugus avec son violon qui fait danser les filles et les garçons. Mon papa ne veut pas que je danse, que je danse. Mon papa ne veut pas que je danse la polka. Il dira ce qu'il voudra. Moi je danse, moi je danse la polka. Wow. Oh. C'est pas qualitatif, mais c'est, wow, mais c'est le comment jeu. Ça, c'est pas qualitatif? Non. Tu bougeais tes reins, mon frère. J'ai rien bougé. C'est la chaise, peut-être. Non, mais tranquille, vas-y. Mais je vous accorde le point. Merci. Mais c'est pas qualitatif. Ok, genre, merci. C'est pas une musique que je mets dans mon casque. Tu mets dans ton casque, mais tu la mettrais dans ta playlist. Non plus. Okay. Aucun des deux. Aucun. Ouais, non. Même pas la nouvelle génération le et tout. Il y a un petit truc, tu vois. Ouais, 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 ouais. Il faut travailler, il faut un petit peu d'autotune. Ouais, voilà. Vas-y. Du coup. Donc là, on n'a pas le point. Si vous avez le point, 3-2. Ah, ouais, mais là, c'était de la charité, là, bah, ouais, non, la non, charité. Non, écoutez, c'était de la musique, j'étais dans les temps. Oui, il était dans les temps, voilà, c'est juste la voix et tout, je validais pas. Ouais, voilà, bah après. Vas-y, après, ouais. Les goûts et les couleurs, on peut pas, voilà. Ok, les gars. C'est parti. Yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Yeah, yeah.
Ok. Oh ouais, ouais. Oh ouais, ouais. Oh oh. Yeah, yeah. Arrête. Oh, la claire fontaine. Copieur. En allant promener, hey. J'ai trouvé l'eau si belle, si belle. Que je m'y suis baigné. Oui. Y a longtemps que je t'aime, je t'aime. Et jamais je ne t'oublierai. Oh non, jamais. Jamais. Y a vraiment longtemps que je t'aime. Sous les t'aime. Feuilles d'un chêne, d'un je chêne. Me suis fait sécher. Sécher. Sous les feuilles d'un chêne, d'un chêne, je me suis fait sécher. Sur la plus haute branche. Un rossignol chantait, chantait. Il y a longtemps, longtemps, longtemps. Il y a longtemps que je t'aime. Oui, je t'aime. Oh ouais. Il y a longtemps que je t'aime. Je t'aime. Oh yeah. Il y a longtemps que je t'aime. Je t'aime. Oh yeah. Alors là, je tiens à applaudir, c'était vraiment chaud. Il est fort, il est fort. Je tiens juste à dire que t'as réussi à faire danser Faudia, il était au sol. Hein. Ouais, mais écoutez, c'est un artiste, j'assume totalement, il a fait un meilleur travail que moi sur ce terrain-là. On est sur son terrain et voilà. Wow, oh, la réponse de footballeur. Là, on Mbappé là-bas. Bah, gros, mon gars, là, t'es Mbappé, je suis le gardien. Hein. Oh, putain, il va tirer où? Bon, Logan, il s'entraîne là depuis tout à l'heure. Il a mis du labello et tout. Hein. Il arrête de fumer ce stylo, mec. Ok, en tout cas, j'ai validé le morceau autour de Logan. Voilà. Ok. Okay. L-O-G-A-N. Merci. Okay. Merci. Ça, c'est pour tout le monde, tous ceux qui ont cru en moi. Logan, reste dans le texte. Ok. Toi. Ok. Ça fait, ça fait. T'es pas toute seule, t'es pas toute seule. Une chanson douce que chantait ma maman. En suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Cette chanson douce, je vais la chanter pour toi. Yeah, car ta peau est douce, douce comme la mousse des bois. Bois, bois. La bois. Petite biche est aux appois. La bois, bois. Dans le bois, 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 bois. Se casse nous, mais de braves chevaliers, yeah. Passa et petits abiches. Nana, non, 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 mais là il a chanté biche. Longtemps, je tiens à dire. Hein. Je tiens à dire, t'aurais dû couper il y a bien longtemps. Attends. Après tranquille. Je peux refaire s'il te plaît. Zéro. Est-ce que je peux refaire s'il te plaît? Non, c'est mort. C'est mort, tu crois où là? Wow. Tu crois t'es au Stade de France? Mais les gars, attendez. Attendez, attendez, je l'avais, j'avais. Imagine au Stade de France. Non, attendez les gars. Mais le son, il est non. On peut pas refaire le concert vite fait, je l'ai foiré. Ouais, faut prendre ça. Mais j'ai bien fait, wesh, non? Non, mais tout est pas de toi, mon frère. Tout est propre, hein. Non, mais il y a des paroles que j'ai pas trop bien compris. Non, mais c'est le la 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 où t'as été. En fait, la 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 la. Djouf, arrête, arrête ces conneries. Arrête. Je te jure, c'est très bien ce qu'il a fait. Toi, techniquement, tu lui accorderais le point? Moi, ouais, bien sûr. Oui. Déjà, j'aurais coupé. Toi, tu lui accorderais le point. J'aurais coupé avant. Franchement, déjà. Juste pour parce qu'on a rigolé de ouf. Ok, ouais, je te donne le point. Mais c'est pas le but. Mais c'est merci. Y a pas possible. C'est pas le but. Il y a 4-2. Il y a 4-2. Il y a 4-2. Il y a 4-2. Bon, MAD. MAD. Dans tous les cas, ils peuvent pas arriver à plus que 4, les gars. Encore un point. À toi, la MAD. Et là, vous savez quoi? Vu que là vous avez déjà gagné, Lamad, vu que vous avez déjà gagné, on va enchaîner. Okay. Vas-y. Ah, ok. Ouais, on va enchaîner. Vous avez déjà gagné, donc on enchaîne. Donc là, en vrai, il y a 1-1. Si vous avez cette épreuve, on a gagné cette épreuve. Hein ? En fait, il y a 1-1. Ouais. Parce qu'ils ont gagné cette épreuve, c'est avant. Ouais. Prenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. J'ai pris la même en plus là. Si, alléluia. Ok. Allez. Yes! Allez, les gars. Yeah hey, non, mais attends. Elle est le style Caris là, faut arrêter. Hein. Attends, alors. Laisse-moi une dernière chance. Wow, follower, là. Laisse-moi une dernière chance. Là, ça, il faut le couper. Hein. Tu le menaces avec ça. Moi. Tu le menaces. Non, attends. Laisse-moi une dernière chance. Mais il me dégoûte. Allez, bon, on fait ça autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais, il est habité en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis encore mais wesh. Oh le con. Bon, allez, là on va enchaîner Alisha et Emma, donc one shot. Alisha et Emma, c'est parti. Autour d'Alisha, c'est parti. J'attends les drops.
Merci. Ok, c'est parti. Promenons-nous dans les bois, oh, pendant que le loup n'y est pas. Et si le loup y était, nous mangerait. Et comme il n'y est pas, il ne nous mangera pas. Loup y es-tu? Entends-tu? Que fais-tu? Yeah, yeah, yeah. Loup es-tu? Qu'entends-tu? Qui es-tu? Allez, moi, à toi. Ça m'est bien ça. Hey. Au cœur de la lune, mon ami Pierrot. Hey. Oh. Prête-moi ta plume, hey, pour un mot. Hey. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Hey. Hey. Ouvre-moi ta porte, pour l'amour de Dieu. Hey. Au cœur de la lune, Pierrot répondit. Hey. Oh. Je n'ai plus de plume, je suis dans mon lit. Parlez hey, la voisine, je crois qu'elle y est. Hey. Hey. Dans sa cuisine, on bat le week-end. Yo, 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 yo. Le du net, il était incroyable. Ah ouais, c'était incroyable. Ah, j'ai kiffé ça. Waouh! Victoire de la West Coast! Bah... J'ai pas peur de perdre. J'ai pas peur de perdre. La Madrid m'a dit: tu vas où? Je vais faire de.